quoi. C'est bon, il y a le c'est point bon, rouge. Michel. C'est bon, Saturne, Michel. Bon, les amis, avec Flo, on s'est décidé de quelque chose. On va aller trouver l'arbre à thé le plus vieux du monde, qui a 400 ans, à 10 km du village de Fongsali. Aujourd'hui, on est à Luang Prabang, c'est ça? Et on a à peu près 400, 500 km à faire, un truc comme ça, pour aller jusque dans le nord. Sachant qu'on a des vraies merdes en tant que scooter. Moi, le scooter dans les montagnes, il va à 30. Donc, on a du chemin à faire et surtout, on va avoir mal au derche. Mais je trouve que c'est très 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 cool d'aller voir ça parce que moi j'adore le thé. On s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo à la recherche du plus vieux thé du monde. Et bah c'est parti pour 2-3 jours de voyage au moins là. Là on est dans la sauce. C'est ça Michel. C'est ça, allez. Parti. Bon bah Lucien on y va. Nous sommes en train de regarder le village de demain et il est au milieu de nulle part, vraiment au milieu de nulle part. Déjà on est au milieu de nulle part maintenant et là on est vraiment très loin. Petit chemin apparemment mais à mon avis ça va être ghetto le chemin. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est un thé qui a 400 ans et ça fait partie des plus vieux arbres à thé encore donnant des feuilles de thé quoi. Donc c'est incroyable, c'est cool, c'est super bon. Mesdames, Messieurs, on est arrivé dans le village de Bonkamen, un petit village qui est à 18 km par la piste de Fongsali. En fait, la particularité de ce village, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est que d'aller trouver des feuilles de thé dont les arbres ont 400 ans. On s'est renseigné hier soir, il y a à peu près 48 000 arbres à thé qui ont environ 400 ans. Donc ils n'ont pas tous 400 ans, mais pour la plupart dans cette région-là, ils ont plus de 400 ans, il y a 70 000 hectares. Et d'ailleurs, on le voit assez bien parce que c'est une région qui est assez prospère et on le voit à une seule chose, aux maisons. Depuis le début, tu te rappelles Florian, on voit que des maisons en bois depuis qu'on a passé Luang Prabang. Ça devient de plus en plus pauvre et ici on est dans un village assez perdu. Il y a des constructions de grosses maisons là-bas. Il y a pas mal de... Alors, il y a encore des maisons en bois, c'est pas Las Vegas, on est d'accord. Mais des maisons en dur, ça signifie quand même que les gens ils ont quand même un peu plus de sous et qu'ils peuvent se permettre d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Et du coup, ici, c'est pas une production qui est industrielle comme j'ai pu le voir à Darjeeling il y a quelques années. C'est vraiment une production où chacun va chercher ses arbres à thé et ils vont les chercher, ils cueillent et tout. Et comme la dame là-bas, après ils trient leurs arbres et ils trient leurs feuilles, ils les roulent entre eux comme un papier à cigare. En fait, la spécificité. Merde. La spécificité de ces thés, vu que c'est des arbres, en fait, ils ont des très grandes racines, ils peuvent aller puiser les minéraux très profondément. Ce qui fait que ça va donner un goût en fait très différent du thé qu'on a l'habitude de boire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'as dans les mains là, Michel? Mec, on a 9 kilos de thé. On a 9 kilos de thé. Abusé. En plus, quand on l'a pris, je pensais pas que ça faisait autant de volume, ouais. 9 kilos, tu vois. C'est bon. Elle aurait pas dû me faire un œil de Jacqueline comme ça. Une vraie lucette. En fait, tout est roulé en feuilles, comme une feuille à cigare. Et évidemment, ça sent extrêmement bon. Et il n'y aura que les petits chanceux qui vont l'acheter sur la boutique qui pourront confirmer tout ça. Allez. Non. Ça va prendre un peu, tu vas exploser le carton. Ouais.
tu réussis, Michel. Ah, je lui goûte. Il faut le scotch. On va le fermer comme ça. Comme ça, il est prêt pour la poste. Et maintenant, avançons dans le temps. Nous avons parcouru presque 650 km avec Flo et le T jusqu'à cette supposée dernière journée de route. Nous partons de Luang-Prabang très tôt le matin pour arriver à Vientiane le soir même. Mais le sort va en décider autrement. Première erreur, on se trompe de chemin dès la sortie de Luang-Prabang. Seconde erreur, on prend un deuxième mauvais chemin, ce qui nous rallonge la route de 100 km supplémentaires. Nous décidons de continuer dans ce détour pour éviter de perdre trop de temps. Mais nous tombons sur un chantier qui bloque complètement la route. Bon, on est bloqué là comme des connards. Et nous devons donc faire demi-tour pour prendre une autre route dont nous ignorons l'état. Lors de ce demi-tour, je tombe en panne d'essence. Et Flo devra me pousser jusqu'à la station essence la plus proche. Une fois le plein fait, nous repartons et nous engageons sur ce chemin qui s'avère être une piste très très sablonneuse et poussiéreuse. Chaque véhicule qui nous double ou qui nous croise soulève des kilos de sable et nous recouvre entièrement de poussière. Ainsi, mon scooter s'encrasse extrêmement vite et il perd toute accélération. Je vais de moins en moins vite et la nuit s'approche de plus en plus. Nous trouvons un garage qui décrase mon scooter en plein milieu de la pampa et donc nous repartons juste après. Mais 6 km plus loin, il fait presque nuit et mon scooter ne roule déjà plus. Nous sommes au milieu de nulle part, sans assistance. Flo n'a plus de phare pour s'éclairer dans une piste qui, une fois la nuit tombée, se remplit de moustiques. Nous sommes à 20 km de la route supposément bitumée, avec un scooter qui n'avance plus et un deuxième qui n'a plus de lumière. Bref, c'est chaud, mec. On est dans la méga merde. Les deux, mon frère. Moi, j'ai plus de lumière. Ouais. Captai. Tout motorbike problème. Bon, ils sont harnachés. Mister est là, monsieur est là. Je sais pas où on va mais on y va. Le carton est là. Donc heureusement qu'il a un carton, sinon le ce serait mort le truc. Donc tant mieux. On voulait arriver à Vientiane, on a tout fait pour arriver à Vientiane aujourd'hui. On s'est levé à 6h, on a roulé sans cesse. On s'est presque pas arrêté, on s'est arrêté quoi, une demi-heure pour bouffer, après c'était que des pots d'essence. Ouais. Et pourtant, tout s'est mis sur notre route. Tout s'est mis contre nous. C'est pas fini, tant que c'est pas Vientiane, c'est pas fini. Il y a un pick-up qui passait par là, complètement par hasard. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et ils nous ont aidé quoi, direct. Pourquoi j'ai jamais eu autant de trucs dans une journée. Pourtant, j'ai eu des journées très très dures. Mais... Là, c'est la plus dure. Non, c'est pas la plus c'est dure. La plus, c'est celle où il se passe le plus de péripéties. Quoi. Ouais, genre, ça s'arrête pas. C'est comme si on est testé, tu vois, dans le dernier retranchement. Moi, j'étais prêt à rester sur le bord de la route à attendre qu'il y avait une voiture qui passe. J'étais persuadé qu'il allait y avoir une voiture qui passerait. Ah ouais. Je sais pas comment t'expliquer en fait. Pas moi, tu vois. Parce que là on est arrivé en fin de... Est-ce que tu penses que c'est comme ça partout? Genre dans toutes les cultures tout autour du monde. Mec, à chaque fois que j'étais dans la merde en Maïd. Est-ce qu'en Russie ça rien à voir? Mec, en France en tête. Je pense ouais, genre quand t'es dans la galère comme ça. Après 45 minutes de route, nos deux sauveurs ont donc déposé nos motos dans un garage où nous les récupérerons le lendemain matin. Ensuite, ils ont cherché et trouvé un super hôtel très peu cher et super propre, puis sont partis
tels des sauveurs. Et maintenant, il est l'heure de découvrir l'identité de nos sauveurs. On est flou, on est tous fatigués, mais ils nous ont sauvés. Merci à eux. Jugez maintenant l'état de nos vêtements après quelques heures au milieu de ces pistes. On est en train de comptabiliser les billets parce que pour finir dans la galère, on a plus de thunes et on a... En fait, c'est pas qu'on a plus de tout, c'est qu'on peut pas retirer, il n'y a pas de banque autour. Et du coup, on est en train de comptabiliser tout. Moi, j'ai plus rien depuis un bout de temps. Et Michel, il a plus rien. Et là, on a d'autres monnaies, du coup. On va essayer de troquer avec ça, là. J'ai des euros, j'ai des bahts. Moi, j'ai des euros aussi. Hein. J'ai des euros, j'ai des ringgit de Malaisie. Le mec, il est là, il a 5 euros. Et il a quoi? Il a 100 boules, frère. Ça, c'est le billet de la survie. Bon, on a résolu l'affaire de l'argent. On a demandé à la dame de l'hôtel si elle voulait bien échanger des bahts contre des kips parce qu'il avait des bahts, Flo. Et elle a dit oui, donc c'est parfait. Bon, il y a Jean-Michel, est tenant pas de l'un de foutard, il veut plus rien savoir. On essaie de démarrer là, mais je crois qu'il est vraiment, il est fini là. Not far. Not far. To Kesselan. Ok. 1 kilometer. 1 kilometer, ok. Non. Tu fais le tour comme ça. C'est pas suffisant. Bah là, tu peux en défaire un peu, non?